Jour 1 de l'expérience, premier repas. Alors, en légumes, j'ai choisi les carottes. J'avais envie de quelque chose de frais, de juteux. Et en protéines gras, des avocats. Voilà, j'ai des avocats mûrs, donc je vais les manger avant qu'ils soient trop mûrs. Et par contre, aujourd'hui, je mange un peu tard, il est midi 45. J'avais dit que je mangerais à midi avec plus ou moins une demi-heure. Mais là, j'ai eu des rendez-vous ce matin, je suis rentrée tard à la maison et je dois repartir. Là, j'ai un autre rendez-vous. J'ai peu de temps pour manger, donc voilà. Et du coup, bah, je vais manger les quantités qui me font envie. Et je les noterai, bien sûr, pour pouvoir, dans l'expérience du cuit, manger exactement la même chose, mais du coup en cuit. Il est 15h30, je suis rentrée il y a peu de temps. Et du coup, je vais peser ce que j'ai mangé ce midi. Donc, j'ai mangé 4 carottes que j'avais pesées. Et donc, là, je vais peser les déchets pour déduire, savoir ce que j'ai mangé. Et un demi-avocat. J'avais pesé un demi-avocat. Il me reste, voilà, juste la peau. Je vais tout peser pour voir ce que j'ai mangé. Et du coup, là, je vais manger le goûter un peu en avance parce que j'ai faim. Et il y a mon fiancé qui arrive et qui va manger. Parce que lui, il fait un jeûne intermittent. Du coup, il mange quand il rentre du travail. Et donc, du coup, je vais manger avec lui. Mais pas ce que je lui ai préparé, parce que oui, je lui ai préparé à manger, je lui prépare du cuit, pendant que moi je vais manger du cru. Je vais manger des poires qui sont en train de s'abîmer, mais que moi j'aime bien comme ça, elles sont blettes. Elles sont blé ou blettes, j'avoue que je ne sais pas trop comment on dit, hein, c'est pas un mot que j'utilise tous les jours. Donc du coup voilà, je vais manger ça, je vais les peser d'abord, et ce qui reste de ce que je mange, je vais le mettre de côté et le peser pour savoir ce que j'ai mangé réellement. Il est 18h, tout à l'heure j'ai fait une sieste de 3 quarts d'heure, j'ai laissé le réveil naturel, j'ai pas mis de réveil. Et là il est 18h, j'ai faim et je me prépare un smoothie. Banane, jus d'orange, huile de coco ici et un petit peu de cannelle. On va mettre juste. Voilà. Et on mixe ça. Bien sûr, pensez à mettre le couvercle sinon ça va exploser partout. Hop! Et brancher bien sûr. Et voilà. Un délice. Bien.